Bonjour tout le monde, c'est le retour du docteur. Alors, aujourd'hui, on va voir comment refaire une selle. Donc refaire entièrement avec la mousse. Alors pour ce faire, il vous faut une selle. De la mousse ferme, 40 kg. De la mousse souple, 30 kg. De la mousse de finition, mais là, bon, j'avais demandé un carré de 40 cm par 80 cm et ils m'ont donné 1m80 par 2m, en fait, je crois. Ou non, 1m60 par 1m80. Bref. Une bière, des pinces pour enlever les agrafes, une agrafeuse murale et des agrafes, une autre bière parce que la première est déjà finie, un marteau pour planter les agrafes, du scotch américain parce que c'est toujours utile du scotch américain et je sais pas mais je suppose que j'en aurai besoin, un scalpel pour découper les mousses, un feutre et un stylo parce que c'est pareil, on sait jamais. Bon bah avec tout ça on va commencer hein. Alors, on va commencer par enlever les agrafes avec un tournevis qui n'était évidemment pas dans les objets que j'ai listés au départ. Alors, une fois que vous avez un beau tas d'agrafes, vous pouvez décaloter la selle. Et voilà. Alors, personnellement, je vais tricher parce que je vais quand même réutiliser la mousse qui a une forme parfaite pour la selle, on va dire. Et je vais en remettre par-dessus. Alors, on met des protections sur la table, sinon madame va me tuer. Tout simplement. Et on découpe au scalpel. Voilà, un gros cœur pour poser mon gros cul. Il va vachement mieux au ciseau en fait. Donc, je pense que ça va pas coller, c'est là que le scotch américain sert à quelque chose, je l'avais dit. Voilà à peu près à quoi ressemble la selle. Alors c'est extrêmement moche, hein, vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Donc elle va être vachement plus haute qu'avant. Vu que c'est pour le passager, pour l'instant c'est pas trop grave, au moins il verra par-dessus ma tête. De toute façon je vais écraser avec le sky, hein, ça va diminuer un peu d'épaisseur. J'ai fait une espèce de tête de vaisseau spatial. C'est juste pour freiner la glisser. Disons qu'il y avait avant une espèce de petit rebord qui s'est caché avec tout ce que j'ai mis, donc que je l'ai remis. Voilà. Et donc, on va finir par cette grande bâche. Donc cette super méga mousse de finition. Le truc qui m'ont donné 25 mètres carrés. C'est moche, ça ressemble à rien du tout. En théorie après on met ça pour que ce soit un peu étanche.
Et bah voilà, le résultat en fait final est pas si mal que ça. Voilà. Si vous regardez en gros, là c'est l'avant, je suis passé de cette dureté là à cette dureté là. Donc là voilà, c'est plutôt moelleux, avant c'était plutôt dur. Et là 16 passagers, c'est encore pire. Donc voilà, le cul de madame sera contente.